Et bonjour à tous, c'est Nicolucci avec Geralt de Rive sur The Witcher et on reprend toujours là où on était, exactement là où on s'était laissé le dernier épisode, c'est-à-dire l'exploration de la crypte pour trouver le symbole de la mort et l'étendard des gardes de barbe brune, il me semble. J'ai appuyé trop tard. Bim, t'es mort. Journal. La bannière brune, voilà, c'est ça. La bannière brune qui se situe dans une dans cette crypte. On va continuer de déplier les cadavres. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire. Hop là. Touché. Hop là. T'es mort. On absorbe tous les dégâts. Alors on va déplier et on va fouiller en espérant qu'il n'y a pas d'autres spectres qui pop. Anneau de fer, essence de mort et essence de mort. Une mutagène. Donc on continue notre exploration. Ah, est-ce que au moins c'est cette crypte là? Ah, là il y a encore un. Ah non, c'est le mauvais. Bon, il n'y a rien. Donc là, on l'a fait, hein, déjà. Ouais, on l'a fait. Alors, ici, il y a un truc de pouvoir. On gagne. On gagne de la défense, donc c'est pas par là. Là, on ressort de là. Donc, est-ce que je me trompe depuis le début? Non, ça j'ai déjà fait ça. Ah, j'ai pas fait cette pièce. Donc c'est cool, une nouvelle pièce. Allez. Ça touche. Trop vénère le spectre, je trouve. Ok, ça c'est... Oh, deux en même temps, ça c'est cool. On contre et on touche. Ça c'est cool. Ok. On va déplier tout ça. Peut-être la bannière brune est dedans, on sait jamais. Hein. Fouiller, bah des auras, de la tunasse. On prend. Un fil métallique. Hop, non. C'est toi que je veux. On fouille, ça. Oh, du fer, ça c'est cool. Et il n'y a rien à fouiller. Bon, ah, il y en a encore un. Ça va être lui qui va avoir la bannière brune. Non. Oh, destin, d'accord. Une nouvelle arme. Inventaire. Destin, épée en argent, qu'est-ce qu'elle fait? Dégâts 20-26, et j'ai quoi moi en équipé? Oh, 18-27, poison plus 10, épée en argent, saignement plus 20. Ah, elle est plus intéressante encore celle que j'ai, à mon avis, à mon humble avis. Donc, bon, je pense pas que d'après la quête, ça doit être pas cette catacombe là. En tout cas, on a tout fouillé, à moins que ce soit une autre. Non, je pense pas, c'est bien ici, hein, qui dit le repère.
Bon, on va fouiller un peu plus. Attends, j'ai bien fouillé tout. Hein. On est bien d'accord. À moins qu'il faille aller en bas. Non, ça m'étonnerait. Non, ça, c'est la mort assurée. Hein. Donc ça, on l'a fait. Celui-là. On l'a pas fait, mais y'a rien. Ici, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Ça, on a tout fait. Donc, on va retourner par là. On va s'enfoncer plus profondément dans la crypte. Enfin, dans les catacombes. On a tout fait. Là, c'est rien. Ah, par là, on n'a pas fait. Si, j'ai fait aussi là-dedans. Qui es-tu? Ah. Et que veux-tu? Voilà. Geralt de Rive. Je veux l'étendard de la bannière brune. Et toi, qui es-tu? Eckhart Elsi, le porte-étendard de la bannière brune. La meilleure armée que les terres kédouéniennes aient portée. Je reviendrai. J'y ai servi. Ouais, mais ça c'est mentir. Bon, j'y ai servi. Tu ne te souviens pas de moi, mais je te connais. Comment ça? J'ai servi dans la bannière brune. Tu mens. Je me suis battu sous son étendard à Brenna et à Vergen. La bataille de Brenna. Les Nordiques coude à coude contre les escadrons noirs. Les Rédaniens sous le commandement de Reuter sur l'aile droite. Sur la gauche, Temeria, sous le commandement de Natalis. Un spectacle magnifique, n'est-ce pas? Tu fais erreur, c'est vrai. Non, meurs, nous en reparlerons. Tu fais erreur. Tu te trompes. Les troupes rédaniennes étaient sur le flanc gauche et les témériennes au centre. Exact. Peut-être que tu dis vrai. Tu peux en être convaincu. Dis-moi, car tu dois le savoir. Qui était le commandant en chef de Nilfgaard à Brenna? Allez, interrogation surprise. Marcus Brébant, ça me dit rien. Allez, toi. Elan Trahe. Sans le callback de Castor, on ne serait pas en train de discuter. Ainsi, tu as une chance. Dis-moi, car tu dois le savoir. Qui était le commandant en chef de Nilfgaard à Brenna? Menocoorn. Je commence à te croire. Menocoorn. J'ai droit à des erreurs. Nilfgaardienne, cool. Mais un grand commandant. Il fera encore couler le sang nordique. Tu es d'accord? Mais il est mort. La mort n'a pas arrangé ta mémoire. Cohorn est mort. À Brenna, justement. Tu es vigilant. Tu ne t'es pas fait avoir. C'est parce que je suis de la bannière brune. Peut-être que tu t'es battu à Brenna. C'était il y a longtemps. J'ai pu t'oublier. Mais à Vergen, c'est autre chose. Je ne réponds pas de ta mémoire. Tu as raison. La mémoire flanche après la mort. J'ai même honte d'admettre que j'ai oublié qui commandait les armées dans la bataille de Vergen. C'était le plus grand jour de ma vie. Et le dernier. Sois aimable, appelle-le-moi. Detmold. Vandergrift et ça me dit quelque chose. Selkirk du côté d'Eidirn et Vandergrift du nôtre. Très bien. Beaucoup l'ignorent. Certains pensent que les rois dirigeaient la bataille. Ou les mages. Vas-tu me croire enfin? Je te croirai quand tu me diras comment tu as survécu au massacre. L'interrogation surprise. Alors, Selkirk m'a épargné. Un prêtre nous a fait sortir assez bas, toi. Allez, un prêtre. Le prêtre Crest nous a conduits hors des flammes. Il portait un médaillon magique qui le protégeait du feu. Beaucoup ont survécu. 12. La compagnie de Zivik. Zivik, le meilleur des curions du régiment. Tu as prouvé que tu as servi dans la bannière brune. J'ai fait qu'une seule erreur. L'étendard. 18 sur 20. Pourquoi est-il si précieux pour toi? Grâce à lui, je vais pouvoir lever la malédiction. Je me fiche des malédictions. Pourtant, celle-ci retient les armées du roi Henselt. La licorne est revenue? Elle se trouve aux portes de Vergen. Grâce à toi, je vais pouvoir venger la bannière brune. L'étendard repose dans le sarcophage. Prends-le.
Il y a aussi l'épée du colonel Gondor. Elle peut être utile. Oh, merci. Une petite épée en plus. Cheval. Il n'y a aucun cheval ici. Très juste. J'aurais bien bu un coup avec un collègue de Brenna, mais je ne suis qu'un esprit, et je n'assimile pas l'agnole. J'avoue que c'est ce qui me manque le plus dans la mort. Prends soin de l'étendard. Je ne l'ai pas lâché, même lorsqu'il me tailladait. Bah c'est cool. Tuer le spectre ou duper-le. Bah non, là, duper. Ça, c'est cool. Ah, ici, d'accord. Étendard épée de la bannière brune. Yay! Ok. On a fini la quête, symbole de la mort. On va continuer à fouiller les cadavres. C'est ce qu'on aime. Donc tout ça pour une ficelle. Je ne sais pas où elle était, mais elle était là. Elle était bien tendue. Un spectre, il y en a encore. Bat-toi. Je suis trop vieux pour ça. Mais non, t'es pas trop vieux, petit Jérôme. Tu es mort. On déplie ce machin. Et un spectre encore. Un de plus. Hop. Alors j'espère que c'est pas un spectre. Juste une petite fouille. Wow. La ficelle, mais quand même un spectre. Est-ce que ça marche de les brûler hard Ça marche, il brûle. Bim. Et ça touche. Merde. Bon, un petit bug, je suppose. On fouille. Est-ce qu'il est parti le... Ah oui, il est parti. Donc c'est bon, on a la bannière brune. C'est cool, on a réussi notre petite aventure dans ces catacombes naines. En plus, c'est bien précisé, catacombes naines. On revient en arrière. On va sortir de là, on va sauvegarder. Et donc. Trouver la bannière brune et l'épée de Vandergriff. Bon, ça c'est en cours. D'ailleurs, symbole de la haine. Retrouver Sultan dans les tunnels souterrains de Vergen. Ouais, on va. Là, je pense qu'il faut aller retrouver Zoltan. C'est ce qu'on va faire. On va se retrouver dans les catacombes. Dans les tunnels souterrains. C'est pas cette sortie-là. De Vergen. Donc en espérant que les bandits que j'ai tués dans l'épisode d'avant soient bien morts. Ouais, c'est par là. Ok. Poussez-vous les corbacs. Ah, des ennemis. Non, des points rouges, c'est quoi? Enfin, du loot que j'ai oublié. Non, je pense pas. Voir la position d'anciens ennemis. Ah, c'est pas là. Pas là. Ce n'est pas par là-bas. Voilà. Est-ce qu'on peut s'aventurer par là? Ouais. Alors, on peut traverser celui-là. Ça fait pas un mur invisible. Ouais. Ah. URP, il y avait longtemps. Allez. Ah, ils sont morts les RP. C'est le GG pour Gérald. Hop, on fouille. Ça fait toujours des plumes. Est-ce que notre ami en a besoin?
Est-ce que je peux contourner? Non, je pense pas que je puisse traverser. Mais bien d'accord, si. À moins que je lui laisse. Non. Mur invisible. On va contourner. Est-ce qu'on peut contourner par là? Je ne pense pas. Je pense que je vais me perdre encore. À moins qu'après on arrive à découvrir des choses. On continue d'avancer. Ah, il peut enjamber. Allez, enjambe, Gérald. Oh. Ah, ça m'intéresse là-bas. C'est pas notre chemin. Mais par contre, la harpie, elle va dégager quand même. Il y en a une deuxième. C'est bon? Ouais, si ça tombe. Enjambe, Gérald. Ah non. Il peut pas, il est encore en combat. Non, c'est bon. Il n'est plus en combat. On va pouvoir enjamber tout cela. Allez. C'est quoi ça là-bas? Des harpies. Ah, je les ai fait des pop. On va repop, je pose. Ouais. Niveau sup, le GG. Ok. Elles sont toutes mortes. On fouille. Attends, on prend. On fouille. Est-ce que je peux... Ouais. Ça m'intéresse en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est quoi ça? Cristal magique. Ouais. Ah. Prenons-le. Je sais pas ce que ça va porter plus tard. Allez, saute, Gérald. Alors, est-ce qu'on fait le tour par là? Est-ce que quelque chose... Pétale de myrte blanc, bleu. Est-ce qu'il faut refaire tout le tour? Ah! Ah ouais, c'était... Non, c'est pas celui-là. Ça marche pas, c'est pas celui-là non plus. Enfin, si. C'est celui-là que je cherchais, mais celui-là ne fonctionne pas. La balise. Ah, c'est bloqué par là. Faut refaire le fourre-tout. Tout enjambé? Bah, ça m'a l'air de tout enjamber. Hop. La cortinaire. Ou du cortinaire, je ne sais pas. Bon bah. Enjambons. Ah, enjambons. Carte. Ouais, oula. Ouais, en fait, je suis vachement loin de mon objectif. Ah, donc là, ouais. Ok. Allez, Gérald. Génial. Allez, Gérald. Ok. T'es toujours aussi souple, hein, ça fait plaisir, malgré ton vieil âge, je dirais. C'est pas par là. Donc on voit... Donc on peut pas traverser ce lac. Donc on va le... On va pas le contourner, on va juste le suivre. Là, je peux pas passer par là. Donc hop, retour dans la forêt. Hop, un truc. On prend les trucs à fouiller en même temps. Hop. Ok. Là, donc c'est nouveau un. Là par là. Non, c'est pas par là. Alors j'espère que je suis pas vraiment perdu. Non, je pense pas. Si je continue par là, ça devrait le faire. Ouais, c'est ça. Non, ça c'est les catacombes. Ça on a déjà visité. Donc je viens de là. Alors. Ah. Petit passage étroit par là. La flèche est dans la bonne direction.
c'est qu'on deviendrait bon. Alors, bien sûr, je m'égare. Je suis sûr, je prends le mauvais côté, mais j'ai envie de voir par là. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère qu'il y ait quelque chose. Voilà. Ouais, on peut traverser ici. Là, je pense que c'est un mur. Dans le 2, Gérald ne nage pas encore. Contrairement au 3. Là, il n'y a rien. Ah, c'est du pétale. Il n'y a pas de mob non plus qui pop. Donc c'est plutôt cool. Pas de mob à affronter. Bon, Gérald, tu peux rengainer ton épée. Ah, donc là, on retourne sur Vergen. On a bien fouillé la zone, je suis content que j'ai trouvé ce cristal, je sais pas ce que ça va nous donner. Mais on verra. Hop, on va retrouver Zoltan dans les tunnels souterrains de Vergen. Ah. On entend des bruits d'animaux, mais je ne vois pas d'animaux. Les faubourgs de Vergen. Donc on est bien à Vergen. Ah, je pense que j'ai fait un tour pour rien. C'est pas grave. La vieille porte de Vergen. Alors, je pense pas que ce soit par là. Tac tac tac. Est-ce qu'il faut ressortir? La porte de Mahakam. Alors, je vais regarder la carte. Carte! S'il te plaît. Bah oui, c'est par là, c'est donc on a bon. On sort de Vergen. Et on va retrouver Zoltan qui doit être un peu plus par là. Ah, ici c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Des portes. Il me faut une clé. D'accord. Et là, il me faut une clé aussi. Non, il n'y a pas de clé. Je me demande c'est quoi cette clé. Bah, il n'y a rien. Même pas ce coffre. Le coffre qui nous tend les bras. Hop, appuie sur X, Nico. Ce coffre qui nous tend les bras, mais qui est vide. Alors, Zoltan. Ah, je dis pas qu'il faut faire le tour par là. Bon, bah, faisons le petit détour. Bah non, je reviens à l'entrée. Bah, c'est pas par là. Bon, retournons à Vergen. Moi, que ce soit dans cette porte, ça m'étonnerait. Bah non, c'est pas là, on est bien d'accord. Ah là là. Bon, retournons. Non. On va retourner dedans Vergen et après on va partir sur la droite. Je pense qu'il est par là, Zoltan. Le mec, il y a une porte sur la droite ici. Non, non, il n'y a pas de porte. Donc, montons par là. Oui, mais s'il nous demande d'aller dans les souterrains. C'est pas par là, on est bien d'accord. Oh, Stensen. Bon, il dit rien. Je pensais que je voyais un humain chez Lena. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des auras et... Oh, un coffre. Des auras, 24 et 9. Ça fait 33, le compte est bon. Mais je ne vois pas où est ce Modina. Ah, c'est carrément l'enclave humaine, d'accord. Les humains ont une enclave. On accueille un vagabond et en voilà 10 autres qui... Bonjour. D'accord. Alors, si je fais bien la carte... Alors c'est bien ça, je pense que j'ai trouvé, donc il fallait vraiment repasser par le camp, par les premiers gardes elfes qu'on a rencontrés quand on voulait rentrer à Vergen, et on devrait atteindre Zoltan par là. Barrez-vous les Korvac. Et donc, si j'en crois la carte, on devrait... Ah, bah c'est ça.
On a retrouvé Zoltan, donc c'est par là. Et donc ici, est-ce qu'il y a... Je suis sûr que... Alors, il faut une clé, je pense que c'est la même truc que tout à l'heure, hein, mais il faut sauter le raccourci. Et porte déverrouillée. Donc on avait la clé. Symbole de la haine, trouver Zoltan dans les tunnels. Donc, nous sommes dans les tunnels, il fait un peu sombre. On va préparer des potions, tout ça, mais pour le prochain épisode. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Tout plein de liens dans la description. Des bisous et à bientôt.